j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'étais hyper impatiente de tourner, puisqu'il s'agit d'un swap. Alors je vais vous expliquer, le swap c'est deux filles, en l'occurrence on est deux youtubeuses et deux instagrammeuses. On s'est envoyé mutuellement un colis avec un certain nombre de produits dedans selon un budget qu'on s'était fixé à l'avance. Et donc c'est super excitant de déballer les petits paquets qu'on nous offre. J'ai réalisé ce swap avec Sarah de la chaîne Mademoiselle Sarah. Je vous mettrai le lien en dessous et je vous mettrai aussi le lien de son Instagram. Vous verrez, elle fait des photos super chouettes et ses vidéos sont vraiment cool. C'est elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube parce que tout simplement elle est restée hyper simple en commençant ses vidéos. Et jusqu'à maintenant, ça fait bientôt un an qu'elle tourne des vidéos, ou déjà un an je crois, je sais plus trop, tu me corrigeras Sarah. On s'est rencontrés via Instagram, j'ai commencé à la suivre sur YouTube et quand je me suis lancée, je me suis dit bah banco, celle avec qui j'aimerais réaliser un swap sur YouTube, ça serait vraiment Sarah. Donc on va commencer sans plus tarder, j'ai déjà ouvert la boîte et je me suis munie pas trop loin d'un ciseau au cas où. Donc on commence sans plus tarder parce que cette vidéo risque d'être très longue. Je vais tout simplement commencer par dire merci en général à Sarah. Je pense que je la remercierai tout au long de cette vidéo. Mais j'ai vraiment adoré faire ce swap avec elle. Et c'est vraiment une chouette fille et une chouette rencontre. On y va. Je vais prendre la petite boîte sur mes genoux. Et je vais vous lire parce qu'elle m'a accroché un tout petit mot juste ici. Hello ma jolie, notre swap est enfin prêt. J'espère que tout te plaira. Sache que j'ai été super contente de le réaliser avec toi, car tu es une sacrée chouette rencontre. Je te laisse déballer ton colis. J'ai hâte de voir tes réactions. Gros bisous, Mademoiselle Sarah. Donc j'ai déjà ouvert et ça se présente comme ceci avec plein de papier et on voit une petite trousse sur le dessus. Donc je vais commencer par la petite trousse. Elle est vraiment très mignonne. C'est une trousse Biba, un petit peu porte-monnaie à l'ancienne. Et elle est remplie d'échantillons. Oh mon dieu. J'adore les échantillons. Il y a plein de parfums. Des crèmes de la marque Gemologie. Je connais pas du tout. Un petit pot encore Gemologie. Plein de marques que je connais pas du tout. Génial, franchement ça va me faire plein de nouveautés à tester. Je vais pousser le chat parce qu'il est venu s'installer sur ma petite tablette. Donc merci Sarah, c'est super chouette, j'adore les échantillons. Donc tu fais une heureuse. J'adore ce parfum, l'odeur est à tomber. Elle m'a mis des petites indications en fait dessus. Donc je suppose que c'est une petite brume ou un... Ouais c'est ça, oh mon dieu, trop génial. C'est la brume... Ambre Romance de chez Victoria Secret. C'est celle qui sent l'ambre et la crème anglaise. Je vais sentir tout de suite. C'est ma deuxième brume Victoria Secret. Et franchement, je suis vraiment trop contente. Parce que t'as percé à jour. J'aimerais bien avoir une super collection de brumes. Et elles sont super bon. Bon bah, je suis super ravie. Je sais pas quoi dire, déjà le premier paquet je deviens folle, c'est vraiment trop cool. Ensuite je vais mettre les petits papiers par terre, sur le lit, un gros flacon. Les papiers cadeaux sont trop mignons. Elle a écrit un peu de douceur pailletée. Alors c'est lait pour le corps scintillant, édition limitée, pomme délice de chez Yves Rocher. C'est vrai qu'il est tout brillant, il est tout doré. Ça sent super bon, ça sent pas trop fort, c'est vraiment léger. Et ben je pense que celui-là je vais le garder un petit peu et vu l'odeur je vais le garder plus pour la période d'hiver. Parce que je pense que ça sentira vraiment bon après un bain ou une douche en hiver. Merci. Il y a tout plein de petites mousses. Je sens que le chat va adorer. Alors on passe à la suite. Tout est bien emballé, elle a même tout mis dans du papier de bulle et tout. Et ben je vais avoir la peau super douce parce qu'elle m'a offert un autre paquet où c'est écrit
une peau toute douce. Ah, c'est son fameux gommage, je crois, hein, de chez Yves Rocher, dont elle parle tout le temps. Un gommage végétal à l'abricot, ouais, au noyau d'abricot. Elle en parle tout le temps. Elle en a terminé un dans sa dernière vidéo produit terminé. Oh, il sent vraiment trop trop bon. Bon bah voilà, moi qui adore les gommages, bah, j'ai bientôt fini mon gommage actuel qui est le Bio Beauté by Nux, vous savez, au cédrat de Corse que j'utilise tout le temps. Du coup je le rachèterai pas tout de suite et je prendrai celui-là juste après. Désolée, je me suis éclipsée, le chat est en train de jouer avec les paquets. Si vous entendez un peu de bruit, vous inquiétez pas, c'est que Izzy. Alors, pourquoi pas aussi décliner cette odeur pour les cheveux? Non, me dis pas que c'est un shampoing. Oh si, c'est ça. Oh, par contre, je suis trop dégoûtée. T'as mis du scotch sur les packaging et du coup, ça va pas s'en aller. Mais c'est un shampoing et corps à la même odeur. Ambre Romance de chez Victoria's Secret. Bah voilà, mon prochain gel douche, ça sera celui-là. Et bah, je te remercie parce que du coup, j'ai les copains. Alors on continue. Je vais fouiller dans tous ces paquets. Ah, un indice, ça donne bonne mine. Alors si tu m'as acheté un blush, je vais être dingue. J'adore les blushs. Et c'est ça. Je collectionne les blushs. C'est un blush H&M. C'est le blusher. Je vais l'ouvrir parce qu'il est vraiment très très beau. Si j'y arrive. Je pète le paquet. De toute façon, je vais le jeter. Donc c'est pas grave. C'est le blusher. Il est vraiment super joli. Il y a des petites formes géométriques dessus. Et il a l'air d'avoir une petite toupette en dessous. Si j'arrive à l'ouvrir. Vous savez qu'avec mes grands ongles de sorcière, comme diraient les gosses où je travaille. Non. Ah si, il y a une petite toupette avec un petit miroir juste en dessous. Donc vraiment il est super beau. Il est super léger et je pense que pour l'hiver ça sera vraiment pas mal. Et j'aime beaucoup les packagings des blushs H&M. Il est vraiment très très beau. Donc tu fais une super heureuse. Je te remercie Sarah, il est vraiment super cool. C'est les surprises, je pioche au fur et à mesure. Je fouille dans les petites mousses. Alors, elle m'écrit « pratique dans le sac ». Donc je suppose que c'est une crème pour les mains. C'est ça. Hand cream. Alors, je ne vois pas la marque. Emma. Ah, c'est trop cool. Je sais qu'à Lille, elle a un magasin Emma. Ah, elle sent super bon et le packaging est trop beau. J'adore cette couleur, le vert mint. Elle sent super bon. Ouais, et elle a un Emma chez elle et j'en ai pas. Elle m'avait posé la question, donc je suppose que bah, tes petits achats, enfin mes petits indices que je t'ai donnés, t'ont donné envie d'aller chez Emma pour moi. Ensuite, une petite boîte. Des jolies couleurs pour la rentrée. Une petite palette, peut-être. C'est ça, c'est une petite palette de la marque Miss Europe. Alors c'est une petite palette noire comme ceci et elle se présente comme ça avec quatre petits fards, du blanc en noir. Je pense que ça va être pas mal. J'utilise pas beaucoup de couleurs comme ça grises, mais pourquoi pas du coup pour les fêtes et pour l'hiver faire un petit maquillage sympa de soirée. Merci, on continue. Il va chouchouter tes mains à merveille, tu m'en diras des nouvelles. Je suppose que c'est une autre crème pour les mains. Et c'est de chez The Body Shop, c'est la crème protectrice main au chanvre. Alors je la connais pas du tout.
Alors, elle a une odeur super naturelle. Je pense que celle-là, je vais plutôt la mettre sur ma table de nuit le soir parce qu'elle est moins parfumée que l'autre qu'elle m'a offert. Mais je suppose qu'elle fera un meilleur job. C'est pour les peaux très sèches. Donc voilà, un tube de crème pour les mains de chez The Body Shop. Jamais testé les crèmes pour les mains The Body Shop, c'est ma première, donc je te remercie infiniment. Quand je l'ai vu, j'ai direct pensé à toi. Tu vas pouvoir l'emporter partout avec toi. Les paquets sont vraiment trop trop beaux. Elle a mis un petit scotch en plus, un petit masking tape, trop mignon. Oh, il va avec... c'est Emma. C'est un petit carnet qui va avec la crème pour les mains. Regardez. C'est la même gamme. J'adore les carnets, j'en ai jamais assez, Sarah. En plus, à l'intérieur, c'est mint, comme j'adore. Donc là, j'ai en ce moment entamé un petit cahier pour YouTube pour me noter mes idées de vidéos, etc. Et du coup, celui-là, ça sera le prochain. Donc je te remercie. Je penserai à toi à chaque fois que j'écrirai dedans. On arrive bientôt à la fin. Je crois qu'il reste que des petits copeaux. Il me reste deux petits paquets. Alors, il y a un peu de pêche, pomme grenade et de l'abricot, un régal pour le visage. Je soupçonne, vu l'épaisseur, un masque. Alors, c'est un masque aux fruits de chez Emma. À l'argile, à la pêche, à l'abricot et à la grenade, pour éliminer les cellules mortes en douceur et redonner à la peau un aspect doux, purifié et lisse. Bah merci, du coup je vais tester ça... En prochain masque pour le visage, j'en ai pas mal d'entamés, mais ou alors je vais le garder pour partir en week-end chez mon chéri ou quelque chose comme ça si j'ai envie de faire un petit masque. Donc je te remercie, ça vient toujours de chez Emma et comme j'en ai pas, je vais pouvoir tester un autre produit de chez eux. C'est rose, c'est le dernier. C'est rose et c'est à faire une fois par semaine. Alors de la même gamme que celui-là, ça vient toujours de chez Emma, c'est le Time to Reset Pomegranate. C'est un masque peel-off, vous savez c'est les masques qu'on fait sur le visage et qu'ensuite en séchant ils font un film et qu'on peut retirer directement comme une pellicule sur le visage. Bah du coup ça me fait deux petites choses à tester pour le visage de chez Emma. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Alors voilà, j'ai ouvert tous mes paquets, donc tout est à côté de moi et je suis super ravie. Je voulais te remercier Sarah d'avoir bien voulu partager cette aventure avec moi. J'ai très très hâte de voir tes réactions en direct. Je sais qu'à l'heure actuelle, quand je filme, toi tu as déjà tourné la vidéo il y a 2 jours il me semble. Donc j'ai super hâte de savoir ce que tu as pensé de mon colis. Et du coup tu verras par la même occasion les réactions que j'ai eues. Je suis super super ravie. Je vais me servir de tout ce que tu m'as offert. Tu m'as vraiment bien ciblé avec le Victoria's Secret et le blush et le gommage, les crèmes pour les mains. Enfin, c'est vraiment des choses que j'utilise hyper souvent, donc ça va me permettre de tester des nouvelles marques que je connaissais pas. Et je te remercie mille fois d'avoir voulu partager cette aventure avec moi. Voilà les filles, la vidéo touche à sa fin. Je remercie encore une fois Sarah et je vous fais de gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo.